اتخذنا مجموعة من القرارات شملت أولا التوجه إلى مجلس الأمن لمشروع قرار عربي يتضمن تثبيت قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 67. ניסיון לכפות עלינו באמצעות החלטות באום נסיגות לקווי 67 והדבר יביא את גורמי האסלאם הקיצוני לפרברי תל אביב ולליבה של ירושלים. كما حررنا غزة كما أقمنا فيها السلطة سنكرر نفس التجربة في الضفة الغربية تمهيدا لوصولنا إلى فلسطين كل فلسطين. אבל שלא יהיה שום ספק, הדבר הזה יידחה. Lundi 15 décembre 2014, bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur i24 News pour votre nouveau morning. On se réveille en douceur avec tout de suite le sommaire de cette émission. A commencer par cette prise d'otage à Sydney en Australie, en plein centre de la ville et dans le quartier des affaires. Le nombre exact de personnes retenues par un seul homme armé reste encore inconnu. On sait qu'un drapeau noir avec des inscriptions en langue arabe a été plaqué sur l'une des fenêtres du café. On en parle dans un instant avec notre journaliste i24, Mathias Inbar. Et puis nouvelle tournée diplomatique pour John Kerry, toujours autour du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, c'est avec le Premier ministre israélien qu'il tentera de raisonner à Rome. Demain, le secrétaire d'État américain rencontrera le ministre palestinien des Affaires étrangères et une délégation de la Ligue arabe à Paris. Et puis ils étaient hier 100 millions de personnes à regarder la finale de Arab Idol et c'est le Syrien Hazem Sharif qui a officiellement remporté l'édition 2014 de la très populaire émission, battant en finale ses deux rivaux, Atiram Kalaila et Majid Al-Madani, respectivement palestiniens et saoudiens. On y reviendra en fin d'émission. Il est 8h à Tel Aviv, j'accueille ce matin Michel Bar-Zohar, bonjour. Vous êtes écrivain, historien, biographe et ancien député, ancien membre du Parti Travailliste. Merci d'être avec nous ce matin. Cyril Amar également, avec qui on va faire la revue de presse dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse le point sur cette prise d'otage qui dure depuis maintenant quelques heures. Ça se passe en plein centre du quartier des affaires de la ville de Sydney, en Australie. Un homme armé retient en otage une dizaine de personnes. Alors, on ne connaît pas encore le nombre exact de personnes retenues en otage, mais on sait que trois personnes ont déjà pu évacuer les lieux. Un drapeau noir avec des inscriptions en langue arabe a été donc plaqué sur l'une des fenêtres du café. Mathias Inbar, bonjour, vous êtes avec nous ce matin. On fait le point avec vous sur cette prise d'otage qui dure depuis maintenant 5 heures. Oui, il était un petit peu plus de 9 heures du matin, heure locale, Eleonore, en Australie, lorsque effectivement un homme qui se présente au départ comme a priori les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du café pensaient qu'il s'agissait tout simplement d'un vol, d'une tentative de dérober de l'argent et non finalement très très vite les choses s'emballent et il possède semble-t-il selon les premiers éléments en tout cas premiers éléments vidéo d'un Kalachnikov et d'un couteau. Il demande très très vite aux gens de se plaquer au sol et il demande effectivement à placer ce drapeau sur lequel il y est écrit effectivement « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet et son prophète, c'est la shahada », c'est-à-dire la profession de foi musulmane. Alors effectivement, il ne s'agit pas d'un drapeau de l'État islamique, mais en tout cas c'est le drapeau noir, drapeau islamique, qui rappelle effectivement l'obédience soit à Al-Qaïda, soit à l'État islamique. Pour l'instant, il n'y a pas de revendication. En attendant, il y a trois personnes qui se sont échappées par une porte latérale. Cela se passe effectivement dans le quartier des affaires. Tout est bouclé et Tony Abbott, le Premier ministre australien en attendant, a réuni son cabinet urgent de sécurité. Alors on a pu voir sur les images de la télévision australienne des habitants des alentours sortir des immeubles. Est-ce qu'il y a des consignes qui ont été données à cette heure aux habitants, aux alentours, aux passants même de ce quartier? Tout est bouclé. Tout le quartier des affaires est bouclé. La vie économique
Et complètement stoppé à cette heure-ci où je vous parle. Il y a énormément de commandos et des services spéciaux d'unité spéciale de la police australienne qui est en train d'encercler le café où la prise d'otage est en train de se dérouler. Ce qui est intéressant, c'est que très très vite, la police a réussi à prendre contact avec le preneur d'otage, et c'est ça qui est le plus important lorsqu'il y a une prise d'otage, c'est de prendre contact et de commencer à faire l'intermédiaire entre les otages, le preneur d'otage et la police, de savoir ce que le preneur d'otage revendique et ce qu'il veut exactement réaliser. Merci beaucoup Mathias Inbar. Il est évident qu'on vous tiendra au courant de tous les détails en temps voulu. Michel Barzoar, vous trouvez ça surprenant, la concrétisation en fait, de cette menace islamiste en Australie ? La menace est une menace mondiale. Tôt ou tard, ça arrive, même au coin le plus éloigné. Jusqu'à présent, l'Australie se croyait vivre sur notre planète, en fait. Ils nous donnaient des conseils à tout le monde, en fait, de quoi faire et quoi ne pas faire. Mais finalement, quand ça vient le toucher, c'est la bulle qui explose, en fait. Et c'est pas la fin, c'est seulement un début, pour l'instant, assez modeste. Mais quand ça va arriver à des fusions de sang, ils vont sentir que où est vraiment le danger pour le monde libre aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être les prises de position du gouvernement australien dernièrement, notamment autour de la lutte anti-djihadiste, qui amène ce genre d'événement en plein centre de Sydney ? Je ne sais pas si c'est le gouvernement, en fait. Je pense que ça, c'est la poussée, irrésistible. Du mouvement musulman, et spécialement dans des endroits où on ne s'y attend pas. Parce que la créativité est très, très forte chez eux. Ils cherchent des endroits où ils feront un grand bruit, une grande impression, et il y a peu d'efforts qu'ils doivent faire. Voilà, vous avez un type qui arrive tout seul, et il prend. Et Sydney est déjà paralysé à cause de cela. Ça fait des bruits. Il a réussi à paralyser quand même le quartier des affaires, oui, en plein centre de la ville de Sydney. On y reviendra. On va tout de suite passer à la revue de presse avec vous, Cyril. Mettre fin à l'occupation israélienne d'ici 2 ans, c'est la teneur du texte que vont déposer mercredi les Palestiniens à l'ONU. L'info fait évidemment les gros titres des journaux israéliens et palestiniens. Voilà, ça y est, c'est officiel depuis hier soir. Les Palestiniens donc soumettront mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution réclamant la fin d'ici 2 ans, vous l'avez dit, de l'occupation israélienne. C'est ce qu'a confié un des dirigeants de l'OLP. Il s'appelle Wassel Abu Youssef, au journal palestinien que vous voyez ici sur vos écrans, le journal palestinien Al-Quds, qui paraît à Ramallah et qui est, comme vous le savez, proche du gouvernement. L'initiative palestinienne se heurtera-t-elle au veto américain ? Pas certain, estiment nos confrères de l'agence de presse Ma'an, avec cette photo un petit peu d'un John Kerry dubitatif. L'administration américaine serait encore indécise, selon nos confrères palestiniens. Certes, Washington s'oppose à toute mesure unilatérale de la part des Palestiniens, mais les États-Unis seraient dans l'embarras, écrit ce matin dans son éditorial principal le journal de gauche israélien Haaretz. Pourquoi dans l'embarras ? Eh bien parce qu'Israël ne fait rien pour sortir de l'impasse, selon le journal. Et cela, eh bien, risque d'indisposer l'allié américain face à ses alliés arabes avec lesquels, vous le savez, il combat donc l'organisation de l'État islamique. Alors John Kerry, le secrétaire d'État américain, vous l'avez dit, est en Europe. Il entendra les doléances des uns et des autres, des Israéliens d'abord, puisqu'il rencontrera aujourd'hui à Rome le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. C'est ce qu'annonce donc le Israel Hayom, le journal israélien proche du pouvoir. Benjamin Netanyahou qui a rejeté catégoriquement dimanche l'idée d'un retrait de Cisjordanie et de Jérusalem-Est d'ici 2 ans. Israël a-t-il déclaré et confronté à une offensive diplomatique, et un retour aux frontières de 67 amènerait les islamistes dans les banlieues de Tel Aviv et au cœur même de Jérusalem. Nous ne le permettrons pas, encore martelé le Premier ministre, nous le rejetterons fermement et de façon responsable. Netanyahou qui demandera donc aux États-Unis d'opposer leur veto mercredi au projet de résolution palestinien, mais demain, Éléonore, ce sera au tour des représentants de la Ligue arabe et des représentants
palestinien de rencontrer le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Ils lui demanderont, eux, de ne pas opposer leur veto au projet de résolution. Donc, réponse dans quelques jours, même s'il y a très peu de chances que les Américains, finalement, décident de retirer leur veto à ce projet de résolution unilatéral. Le veto se resserre autour des États-Unis. Enfin, c'est en tout cas dans ce contexte que le Hamas fêtait hier son 27e anniversaire. Et oui, un anniversaire avec une bougie en forme de Palestine. Vous allez le voir, c'est le dessin de presse choisi ce matin par le caricaturiste du quotidien Flestine, qui a publié dans la bande de Gaza, un quotidien proche du Hamas. Et hier, malgré la pluie, le Hamas a célébré son 27e anniversaire avec une démonstration de force dans les rues de Gaza, parade militaire, chars transportant des roquettes, vous le voyez, capables d'atteindre Tel Aviv, des hommes grenouilles, même un drone financé par l'Iran. L'Iran remercié d'ailleurs par les dirigeants du Hamas hier lors de cette cérémonie anniversaire. Et puis un Hamas, donc vous le voyez, qui promet, qui menace même d'anéantissement l'occupant, vous comprendrez évidemment, Israël, et puis la liberté très prochainement retrouvée pour l'ensemble des prisonniers palestiniens. Et puis, j'ai oublié, le Hamas a également promis d'étendre sa résistance à la Cisjordanie. Et vous savez que le gouvernement d'union nationale a le plus grand mal à se mettre en place. Mm-hmm. Et puis le journal Flestine qui, comme à l'accoutumée, lance un pic à son frère rival du Fatah, Mahmoud Abbas, ici très embarrassé visiblement sur cette photo du Hamas. C'est toujours très intéressant de voir comment la rédaction choisit méticuleusement ces photos. C'est passionnant comme enquête. en regrettant que ce dernier, Mahmoud Abbas, donc, ait finalement décidé de ne pas mettre fin. Vous savez qu'hier, il a décidé de ne pas mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël. Ça a pris quelques jours après le décès d'un dirigeant palestinien lors d'une manifestation, lors de heurts avec l'armée israélienne. Une complicité avec l'ennemi, donc, pour le Hamas, qui va permettre, selon le journal Palestine, c'est comme ça qu'il conclut, au Raïs de préserver son pouvoir. Merci à Cyril. On va revenir justement sur ce dont vous nous parliez en début de cette revue de presse. La rencontre aujourd'hui prévue entre le Premier ministre israélien et le secrétaire d'État américain John Kerry à Rome. Parallèlement, les Palestiniens comptent présenter une résolution ce mercredi à l'ONU. Une résolution qui indiquerait que dans un délai de 2 ans, les Israéliens doivent se retirer de Cisjordanie et de Jérusalem. Est-ce qu'on fait le point en images ? On en reparle juste après. La pression palestinienne sur le Conseil de sécurité s'accentue. Une résolution unilatérale pour mettre fin à l'occupation israélienne sera présentée à l'ONU dans les prochains jours. Une proposition catégoriquement rejetée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous sommes confrontés à la possibilité d'une attaque diplomatique, autrement dit d'une tentative de nous imposer par des décisions de l'ONU un retrait aux frontières de 67 dans un délai de 2 ans. Et cela amènera les islamistes extrémistes dans les banlieues de Tel Aviv et au cœur de Jérusalem. Nous ne le permettrons pas, nous le rejetterons fermement et de façon responsable. Benjamin Netanyahou s'envolera pour Rome lundi afin d'y rencontrer John Kerry. Le secrétaire d'État américain s'entretiendra également le lendemain avec une délégation palestinienne et quelques heures plus tard avec les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe. Au centre des discussions, le droit de veto américain au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je suppose qu'une proposition anti-israélienne se heurtera à un veto américain. Cela a toujours été comme ça et nous espérons que cela le restera. Le peuple américain soutient l'État d'Israël et s'oppose à toute atteinte de nuire à l'État d'Israël, de l'isoler aux Nations Unies. Le texte jordano-palestinien prévoit le retrait des forces israéliennes des territoires palestiniens sur les frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale. Le tout est assorti d'une date limite fixée à novembre 2016. Mais ce n'est pas le seul texte qui sera soumis aux Nations Unies. Suite à la reconnaissance de l'État de Palestine par le Parlement français, la France présentera elle aussi une proposition de résolution de conflit moins contraignante. Elle prévoit une reprise des négociations sur un calendrier de 2 ans pour arriver à un accord permanent. La semaine sera donc hautement diplomatique et particulièrement pour John Kerry, placé au centre de l'attention. Le secrétaire d'État tentera de prendre la température auprès des Palestiniens et des Israéliens. Les Américains proposeront-ils une nouvelle initiative diplomatique ou tenteront-ils d'arriver à un compromis avec les différentes parties ? Réponse dans quelques jours.
Voilà, on vient de l'apprendre au sujet de cette prise d'otage qui dure depuis maintenant 5 heures en plein centre du quartier des affaires de Sydney en Australie. Deux otages supplémentaires ont été libérés. C'est ce qu'on vient d'apprendre selon les médias locaux. Alors, viens de nous rejoindre sur ce plateau, Boaz Bismuth. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service étranger du quotidien israélien Israel Hayom. Votre réaction d'abord sur cette prise d'otage, Boaz? D'abord, c'est dingue, c'est assez fou. C'est en Australie, quand même, ça se passe. C'est un truc dans lequel, très franchement, je commencerai en disant que j'ai envoyé un message à un de mes plusieurs amis en Australie et je lui dis que c'est assez fou ce qui se passe, bien sûr, dans une ville comme Sydney où on a l'impression que tout ce qui les concerne, bien sûr, c'est les surfeurs et les requins. Et sa réponse était assez courte mais très précise et très révélatrice, dans le sens où la question n'était pas si mais quand. Et il faut savoir un petit peu la ville de Sydney, une ville que je connais bien. Par ailleurs, la dernière fois que j'ai rencontré votre invité, c'était en Australie. Par ailleurs, c'est assez dingue, ça aussi. Et puis, il faut savoir qu'il y a une vive tension. Il faut comprendre une chose. Nous, on parle beaucoup de l'Europe. On parle beaucoup de la guerre contre l'État islamique, contre Daesh. Et donc, ces guerriers qui arrivent, ces volontaires, ces djihadistes, ces extrémistes qui arrivent de Belgique, qui arrivent de France, qui arrivent de Grande-Bretagne. Mais il faut savoir que plusieurs d'entre eux arrivent d'Australie. L'Australie se trouve mêlée en pleine guerre. Et pourquoi? D'un côté, son premier ministre conservateur, Tony Abbott, est en pleine guerre contre cet État islamique et envoie les forces australiennes. Donc, l'Australie fait partie des 60 pays de la coalition. Mais d'un autre côté, au sein de la communauté musulmane à Sydney, surtout, on a vraiment un quartier musulman très fréquenté, ou dans lequel il y a quand même des prêches et une mosquée, ou dans laquelle très très animé. Il faut savoir que d'un côté, on envoie des forces en Syrie et en Irak, mais de côté, des djihadistes de Syrie et d'Irak reviennent aussi en Australie. Et donc, l'Australie, ce pays ô combien tranquille et le rêve pour tout le monde. Confronté finalement au même problème que les Européens ou que les États-Unis aujourd'hui. Et vous pensez que justement, ces mesures prises par Tony Abbott récemment sont c'est la question que je posais également à Michel Barthoir, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a ce genre d'événements en plein centre de Sydney? Il faut savoir que finalement, ce que Daesh voudra faire ou l'État islamique, c'est exactement ce que Al-Qaïda va faire. C'est finalement, c'est exporter cette guerre dans l'Ouest. Et si Al-Qaïda l'a fait, pourquoi pas Daesh aussi? Deuxième chose, quelle belle vengeance en plus vers l'Occident. Vous venez sur notre territoire, eh bien, on va vous attaquer sur votre territoire. Et puis en plus, c'est très facile. Au lieu d'importer chez nous, dans notre région, Irak, Syrie, les djihadistes, eh bien, au contraire, ils iraient chez eux et on les entraîne à faire les attentats, au contraire, chez vous en Occident. Et par ailleurs, il faut savoir une chose, la crainte était réelle, la crainte existe. Et en plus, n'oubliez pas aussi le timing. Nous sommes chez un chocolatier, donc un chocolatier suisse pour ne pas le citer. Et puis finalement, nous sommes juste avant Noël. Donc le timing, en plus, quelque chose d'assez révélateur. Très spectaculaire. Et surtout que si vous regardez bien l'Australie, le pays, encore une fois, ô combien le rêve pour tout le monde, pour la tranquillité, pays paisible si vous voulez, et bien déjà, il y a quelques mois, souvenez-vous, déjà, il y avait l'alerte a été élevée en Australie de crainte d'un attentat, ce qui n'avait pas été dans 10 ans. Et deuxièmement, il y a un an, bon là c'était pas Daesh aussi, mais cette attaque contre un bus juif à Bondi Beach, encore un endroit de rêve en Australie, vraiment l'endroit de rêve dans les films, et là aussi qui est devenu lieu d'attaque. En fait, qu'est-ce que Daesh veut aujourd'hui? Exactement ce que Al-Qaïda voulait hier. C'est les points les plus isolés, les plus éloignés. Non, montrer que nulle part dans le monde, eh ben, on est tranquille, montrer à l'Occident, on peut vous attaquer où on veut, quand on veut, surtout chez vous. Allez, on va reparler de cette rencontre aujourd'hui entre le secrétaire d'État américain John Kerry et Benjamin Netanyahu. Vous savez que John Kerry est en tournée, pas seulement à Rome, mais également à Paris, où il doit rencontrer une délégation de la Ligue arabe, ainsi que le ministre palestinien des Affaires étrangères. Alors d'abord, j'aimerais vous demander pourquoi cette tournée diplomatique aujourd'hui, pourquoi John Kerry revient une fois de plus sur la scène diplomatique autour de toujours la question israélo-palestinienne. Écoutez, les États-Unis sont très embarrassés, ils ne savent pas quoi faire. Franchement, ils ne savent pas quoi faire, ils ne connaissent pas le Moyen-Orient, ils ne comprennent pas le Moyen-Orient. Alors ils essaient de trouver quand même une solution, un équilibre entre leur lien avec Israël et leur lien avec le monde arabe. Et maintenant, ils sont sur ce parcours d'essayer d'arrêter d'une façon ou de trouver une formule qui va apaiser les deux côtés. Sans pour autant devoir opposer leur veto. Exactement, à une ils ne veulent pas opposer un veto. Et ils cherchent à imposer un veto. Ils cherchent de trouver une façon de si vous voulez, de garder le feu, le petit feu, toute l'histoire. Mais vous savez, ça c'est aussi une partie de ce que les Palestiniens sont en train de faire. Ils ne comprennent pas finalement que toutes ces décisions, toutes ces résolutions, même du Conseil de sécurité, ne vont pas changer rien sur le terrain. Une chose qui va changer, qui est en train de changer, c'est la illégitimisation de l'État d'Israël.
parce que le monde de plus en plus nous regarde avec une critique très sévère. Nous avons aujourd'hui, il y a une décision des facultés de Californie, 3000 professeurs de facultés de bas grades ont décidé de boycotter Israël. 3000. Et ça se passe déjà en Amérique elle-même. Ça veut dire qu'il y a déjà une expansion de cette attitude négative à l'égard d'Israël. Vous êtes d'accord, Boaz, vous ressentez cette délégitimisation d'Israël en Europe et aux États-Unis? Évidemment, et surtout aux États-Unis, ce qui nous inquiète beaucoup, parce qu'en Europe, si vous voulez, on est un peu habitué déjà. Mais voilà. Aux États-Unis, c'est quelque chose de nouveau que l'on voit, surtout parmi les jeunes. En plus, vous ajoutez à cela une démographie qui change, et tout cela, bien sûr, ce n'est pas de très très bonnes nouvelles pour Israël. D'un autre côté, est-ce que cela veut dire qu'Israël doit changer sa politique ou faire une politique vue, ça veut dire pour accommoder un petit peu ou pour satisfaire le monde? Alors, pour revenir un petit peu, si vous me permettez, faire le lien avec ce qui se passe en Australie et cette campagne maintenant des Palestiniens, cette campagne unilatérale d'avoir une reconnaissance d'un État et d'arrêter les constructions et faire en sorte que le monde fasse de plus en plus pression sur Israël et bien sûr ajouter à cela les Américains avec un changement, ne pas faire passer leur veto qui nous ont donné l'habitude. Alors, si vous voulez, dans un monde pour nous, ici en Israël, normalement, il serait concevable de penser que, justement, quand on voit ce qui se passe à Sydney, donc le problème de l'islamisme est un problème mondial. Tout le monde doit. Israël se situe dans le même front avec le monde. Mais il y a un conflit israélo-palestinien qui n'a rien à voir aussi. Qui est différent. Mais le problème, c'est que pour l'opinion publique, justement, dans le monde, qu'est-ce que monsieur tout le monde va dire, monsieur Dupont à Beauvais ou monsieur Laurent à Cholet? Ben, ils vont se dire un instant, justement, ce conflit du Moyen-Orient, c'est à cause du problème israélo-palestinien que nous subissons. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et donc, ça contribue un petit peu à cette montée, à cette volonté de faire de plus en plus pression sur Israël. Concernant votre question sur la rencontre entre John Kerry et Premier ministre Netanyahu, la grande question, il faut savoir, John Kerry lui-même, la semaine dernière, au Forum Savannah à Washington, j'étais présent, avait promis que l'Amérique ne va pas se mêler aux élections en Israël. Dès le moment aujourd'hui, quoi qu'il fasse, il se mêle. Et pourquoi ? Il n'y aura pas de veto américain, bien sûr, ça c'est comme une punition, une gifle au Premier ministre Netanyahu. C'est vraiment un message qu'il envoie un petit peu aux électeurs israéliens. Il y a un veto, certains peuvent dire bien sûr, quoi de neuf, les Américains l'ont toujours fait. Du côté de Netanyahu, il veut dire, regardez, qui a dit que je ne m'entends pas avec les Américains? Alors justement, les experts américains dans la presse américaine le disent. D'un côté, les États-Unis sont un peu pris au piège parce que d'un côté, il y a la menace de ce veto. Peut-être, c'est une autre question. Et de l'autre côté, ne pas opposer leur veto signifierait peut-être renforcer Benjamin Netanyahu avant les prochaines élections, ce qu'ils craignent, Michel Barzoa. Oui, je pense qu'ils ne sont pas, disons, il n'y a pas de trop d'amour dans la Maison Blanche pour Netanyahu, mais c'est là-bas que la question se trouve. Est-ce qu'ils vont quand même changer leur politique traditionnelle d'imposer un veto toujours aux élections anti-israéliennes? C'est probable. C'est possible. Une des premières fois dans l'histoire des relations entre les États-Unis et Israël. La seule chose qu'ils disent maintenant pour leur défense, c'est où étiez-vous tout ce temps-là? Nous avons tellement de fois recommandé d'aller à des négociations. Aujourd'hui, vous poussez des grands cris, mais où étiez-vous avant-hier? Pourquoi n'avez-vous pas avancé? Et cela donne, si vous voulez, une proportion démesurée à ce conflit israélo-palestinien, comme si ça c'était la base de tous les problèmes qu'ils ont avec le monde d'Islam. Alors, j'aimerais justement qu'on revienne sur la position israélienne. Benjamin Netanyahu a hier rejeté catégoriquement d'accepter la résolution qui a été proposée par la Jordanie, conjointement par la Jordanie et les Palestiniens. Est-ce qu'Israël pourrait accepter une proposition plus adoucie, plus flexible, comme celle proposée par la France ou comme celle qui pourrait être proposée par les États-Unis, selon les rumeurs? D'abord, la proposition, c'est bien que vous évoquiez la France, puisque la proposition, justement, toute cette proposition en gestation des Palestiniens ressemble au contraire et est un peu influencée par le discours de Laurent Fabius deux jours avant le vote au Parlement français. Parce qu'on parle maintenant d'un laps de temps. Qu'est-ce qu'elle dit, la proposition française? On va se donner deux ans de négociations, encore une fois, un forum international. Et au bout de ces deux ans, si finalement on n'arrive pas, on n'aboutit pas à une solution, la France va reconnaître l'État palestinien. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle dit, si je traduis bien par des yeux, si je suis maintenant à Ramallah et je traduis cette proposition? –
tourner autour de la table des négociations. Pourquoi est-ce que je dois céder, puisque de toute façon, au bout de 2 ans, on me reconnaît. Donc c'est pour ça qu'Israël, Jérusalem a bien raison, c'est un cadeau que l'on donne aux Palestiniens. Finalement, on sait très bien que chaque décision, ou chaque mouvement, ou chaque acte, ou chaque prise d'action unilatérale n'est pas une bonne chose. Par ailleurs, même Israël, en 2005, on a vu que le désengagement de Gaza, qui était aussi unilatéral, eh ben, on a vu exactement ce qui s'est passé à la fin. Donc je pense un petit peu que le monde aurait dû comprendre depuis très longtemps. La première, c'est que l'unilatéralisme dans cette région, eh ben, ce n'est pas une bonne chose. La deuxième, surtout, c'est que de temps en temps, faire aussi pression, pas seulement sur Israël, mais aussi sur les Palestiniens, peut être une idée peut-être originale, peut-être révolutionnaire, mais pas si mauvaise que cela. Et la position d'Israël dans tout ça, parce que oui, effectivement, on parle beaucoup de l'unilatéralisme, mais est-ce que ce n'est pas aussi le rôle d'Israël, finalement, de revenir autour de la table des négociations et de réengager ce processus de paix qui est au point mort, hein, il faut le dire, depuis un certain temps ? Mais bien sûr, mais n'oublions pas quand même, c'est politique, nous avons un gouvernement de droite qui ne veut pas céder, où il y a une position très forte. Pour l'instant, nous avons un gouvernement de droite. Oui, mais c'est le gouvernement que nous aurons au moins jusqu'au mois de mars, et même après, ce ne sera pas un gouvernement de gauche. Ça, on en reparlera en deuxième partie de l'émission. Oui, alors ça, c'est quand même une politique qui essaie de traîner le plus possible, de gagner du temps, mais ça ne marche plus. Ça, c'est le problème. Aujourd'hui, avec la politique que l'extrême droite est en train d'imposer au Likoud et au gouvernement tout entier, nous ne pouvons pas continuer dans cette façon. Vous voulez dire cette politique de ne pas revenir à la table des négociations ou de... Ou de revenir à la négociation, mais de ne rien faire et de gagner du temps. Tout ce que jusqu'à présent on a fait, on a gagné du temps. En continuant le statu quo et en ne faisant rien pour le changer. Et d'autre part, on ne comprend pas, ni en Israël, la gauche, ni à l'étranger, qu'un traité de paix, un accord de paix définitif, aujourd'hui, entre Israël et les Palestiniens, est impossible. Impossible. La seule chose à laquelle on peut aspirer aujourd'hui, c'est à un arrangement, un accord intérimaire à longue portée, mais pas plus que cela. Parce que l'écart entre les deux positions est encore trop grand. Vous êtes d'accord, Boaz ? Je dirais juste une chose. D'abord, oui, bien sûr, il y a aussi des critiques à l'égard d'Israël. Par exemple, on peut parler de les constructions. À la limite, Israël doit se décider. Vous savez, il y a un magnifique livre d'un professeur Dan Shiftan que professeur Barzoar doit connaître très bien. Et dans ce livre qui s'appelle « La nécessité de la séparation », Korach Avoda en hébreu, bien, la première phrase de son livre, c'est qu'Israël n'a pas encore décidé, tous les gouvernements, droite ou gauche, si on avale ou si on vomit Judée-Samarie, des territoires, appelez ça comme vous voulez. Il n'y avait jamais un gouvernement courageux, ni droite pour dire on annexe, ni gauche qui dit on le rend. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, lorsque Israël, par exemple, il y a un attentat, donc tout de suite la réponse c'est construction, finalement ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une idéologie, c'est une punition, c'est une sanction. Alors le monde le perçoit comme quelque chose qu'Israël aussi ne peut pas le faire. Mais maintenant je vais être l'avocat d'un pays que j'aime bien qui s'appelle Israël. Et je dirais la chose suivante, quand même lorsque Kerry arrive ici et dans la laps de temps de 9 mois pour des négociations, et on l'a dit déjà plusieurs fois, 9 mois on devait avoir la paix finalement, et on est sorti avec un avortement. Mais qui a fait en sorte que les négociations n'ont pas continué? Israël quand même a libéré les prisonniers et c'est Abou Mazen qui a arrêté quand même les négociations. Il a préféré s'aligner avec Hamas que d'aller vers Jérusalem. On en reparle dans quelques minutes. C'est le journal de campagne. C'est juste après un court journal. On revient dans quelques minutes. Restez avec. Retour sur le plateau du Morning, toujours en compagnie de Boaz Bismuth, de Michel Barzoar et de Cyril Amar. Rebonjour à vous tous. On va tout de suite se rendre à Sydney où une prise d'otage a eu lieu il y a maintenant plus de 8 heures en plein centre du quartier des affaires de cette ville donc de Sydney en Australie. Un homme armé retient en otage quelques dizaines de personnes. On ne connaît pas encore le nombre exact, mais on sait que 5 personnes ont déjà pu s'échapper. Par ailleurs, un drapeau noir avec des inscriptions en langue arabe a été plaqué sur l'une des fenêtres du café. On va tout de suite rejoindre Alizé Labbé en direct depuis Sydney. Alizé, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette prise d'otage qui dure depuis maintenant 8 heures? Bonjour à tous. On est tous très secoués à Sydney, surtout très surpris. Enfin, c'est pas du tout quelque chose auquel on est habitué en Australie. On est habitué à beaucoup de sécurité. Donc on est tous très choqués. On ne sait pas vraiment ce qui est en train de se passer.
On nous dit que c'est pour des raisons politiques qu'il risquerait d'avoir cet otage. Donc voilà, l'homme n'a toujours rien fait. En effet, 5 personnes se sont échappées, donc c'est bien pour ça. Mais autrement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Tout le quartier a été vidé. Il n'y a plus personne. Tous les bâtiments ont été évacués. Donc voilà, on était à la cour ce matin et on nous a dit de partir. Comment réagit la population dans ce quartier de Sydney, qui est un quartier quand même très, très, très peuplé, puisque c'est le quartier des affaires? Comment réagit la population suite à cette prise d'otage? C'est le quartier des affaires, et puis il y a beaucoup de touristes aussi en ce moment, étant donné que c'est l'été. Donc, c'est relativement calme, mais on est tous très choqués. On est très choqués par ce qui se passe, et on se demande comment est-ce que le gouvernement australien maintenant va gérer la situation. Et surtout, est-ce qu'il va y avoir des réformes majeures en termes d'immigration? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que des consignes ont été données aux habitants qui habitent donc aux alentours de ce quartier? On nous a dit clairement d'éviter tout le centre-ville, de rester chez nous et de faire très attention à où on va. Et si on voit quelque activité suspecte, il faut qu'on ait un numéro particulier qu'on appelle. Merci beaucoup, Alizé Labbé. On reviendra vers vous tout au cours de cette matinée. Hein. Donc, c'était voilà, Alizé Labbé en direct depuis. Merci beaucoup. Alizé Labbé depuis Sydney, qui commentait cette prise d'otage, donc qui dure depuis maintenant 8 heures. Allez, on passe à un autre sujet, la campagne électorale israélienne, donc les élections qui auront lieu dans 3 mois, Cyril, hein, ouais, en 2015. Un peu moins de 100 jours, 95 jours exactement. Avec eh bien, des développements politiques ce week-end. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Mm-hmm. Hein, donc, on va commencer par la droite, si vous voulez bien. Hein, vous vous en souvenez, Avigdor Lieberman et Benjamin Netanyahu avaient fait campagne, avaient formé une liste commune aux dernières élections. C'était la liste Likoud Beitenu, donc la formation de deux listes, celle du Likoud et celle d'Israël Beitenu, le parti russophone d'Avigdor Lieberman, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Et puis aujourd'hui, donc, c'est un secret de polichinelle. Hein, tout le monde sait que c'est l'inimitié absolue entre Benjamin Netanyahu et Avigdor Lieberman. Les deux hommes qui ôtent leurs gants. C'était Avigdor Lieberman samedi qui a le premier fustigé Benjamin Netanyahu, et la manière dont le Premier ministre a géré les hostilités cet été face au Hamas dans la bande de Gaza. Au football, a-t-il dit, comme en politique, voilà, il est important de mener la partie, non pas d'être mené. Malheureusement, cet été, nous avons été menés, nous n'avons pas pris d'initiative. Voilà ce qu'il a confié à Ben Kaspit. C'était lors d'un événement samedi à Tel Aviv. Et puis sacrilège, Avigdor Lieberman aurait même, eh bien, il n'a pas exclu de rallier une coalition de centre-gauche si le duo fraîchement formé par Yitzhak Herzog, le chef de file du Parti Travailliste, et Tzipi Livni, la chef de file du Parti Atnoa, eh bien, si ce tandem était appelé à former la prochaine coalition gouvernementale, Avigdor Lieberman pourrait la rallier. C'est en tout cas ce qu'il a dit. On l'écoute tout de suite. Je n'exclus ni Netanyahu ni Herzog, je n'exclus personne. Je pense d'ailleurs qu'il est injuste d'exclure quelqu'un en raison d'un différend personnel ou d'une polémique qui n'est pas une polémique de fond. Voilà, donc il n'exclut personne, ni Bougie, hein, qui est le petit surnom d'Yitzhak Herzog, ni Bibi, qui est le surnom du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Voilà de quoi toujours s'attirer. Très pragmatique, Avigdor Lieberman. Toujours très pragmatique. Voilà de quoi donc s'attirer eh bien, les foudres des partisans du Likoud qui ont estimé hier que Lieberman eh bien, s'apprêtait à couronner la gauche, ni plus ni moins. C'est ce qu'on pouvait lire en tout cas en une du journal de Boaz Bizmut, ici présent. Lieberman s'apprêterait à couronner donc un gouvernement de gauche. Le journal qui, on le sait, est souvent considéré comme le porte-voix du Premier ministre, un journal très proche du gouvernement. Alors, couronner la gauche ou couronner le centre-droit, on est en mesure de se le demander, puisqu'Avigdor Lieberman, se murmure-t-il, serait peut-être en passe de faire alliance avec la nouvelle formation de Moshe Kahlon. Moshe Kahlon, l'ancien ministre des Communications, très populaire, hein, qui s'était rendu populaire en réduisant le tarif des communications des mobiles. Cellulaire, hein, exactement, en faisant jouer la concurrence. Il avait démissionné, vous en souvenez, du Likoud. Mm-hmm. Il n'a que 54 ans et il se lance aujourd'hui dans la course aux élections avec son propre parti, un parti qu'il vient d'enregistrer et qu'il a nommé Kulanu, nous tous, en français. Et les deux hommes, d'ailleurs, avec Avigdor Lieberman et Moshe Kahlon, qui ont signé la semaine dernière un accord de report de voix et dont la même inimitié, hein, les oppose à Netanyahu. Voilà
voilà, peut-être un nouveau tandem, puisque c'est la mode des tandems après Livni et Herzog. Finalement, un tandem qui pourrait se peut-être transformer en trio, Éléonore, puisqu'il se murmure également que Yair Lapid, le chef de file du parti centriste Yesh Atid, donc il y a un avenir, pourrait rejoindre donc ce trio, une information qui a été démentie et par Avigdor Lieberman et par Moshe Karlon pour le moment. Alors autour de ce nouveau parti de Moshe Karlon, il est crédité pour l'instant de 9 mandats. Est-ce qu'on sait qui va figurer sur la liste de Kulanu, donc le parti? Alors les spéculations vont bon train, évidemment il n'y a rien d'officiel puisqu'il vient, comme je l'ai dit, d'enregistrer son parti, mais il y a des noms qui sont suggérés, qui sont lancés ici et là, comme celui de l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Oren, ou encore celui du général, exactement, qui est pourtant considéré comme un proche de Benjamin Netanyahou. On évoque également le nom de Yoav Gallant, celui qui était pressenti pour être chef d'état-major, un général de l'armée israélienne, ou encore même celui de l'ancien chef du Mossad, Meir Dagan. Moshe Karlon, qui est donc, c'est le monsieur Discount, un petit peu l'image du monsieur Discount, et qui aurait approché un autre monsieur Discount, c'est Rami Levy, qui est donc le patron d'une chaîne de supermarchés Discount, Rami Levy, donc qui aurait été approché pour être le numéro 3 sur la liste du nouveau parti de Moshe Karlon, Kulanu, nous tous, qui est crédité donc de 9 sièges, sans avoir même annoncé son programme, dont le nom vient d'être mentionné, voilà, sans dire long sur la politique Discount de l'État d'Israël. Ça fait des ordres. Même nous, Israéliens, qui suivons de près. Je veux dire juste deux remarques. D'abord, tout est juste, tout est vrai, tout ce mélange que l'on vient d'entendre. J'ajouterais juste une chose. Cyril vient de parler de Lieberman, bien sûr, peut-être l'homme clé de ces élections, couronner la droite, couronner la gauche. Alors, deux choses concernant Lieberman. La première, moi, depuis très longtemps, on l'a écrit, on l'a dit, on l'a pensé, on l'a réfléchi, même chez les hommes politiques, que Lieberman, déjà, ne doit plus être pris comme quelqu'un de droite. Lieberman, d'abord, aujourd'hui, travaille pour couronner qui ? Couronner Lieberman. Ni droite, ni gauche, mais couronner Lieberman. Et comment il pense, comment il peut le faire? Et bien de la même façon que l'on voit très bien qu'aujourd'hui, on va vers une rotation. C'est le mot clé maintenant de ces élections. Bien avant que Herzog ait présenté Livni maintenant comme le couple infernal de la politique israélienne, le couple de rêve, si vous voulez. Alors finalement, Lieberman se dit la chose suivante. Si la coalition Likoud-Bennett est très très loin des 40 sièges dont on aura besoin, imaginez qu'ils sont dans les 32-33, ils ont besoin de moi, pourquoi est-ce que je donnerais à Netanyahu d'être ministre des Affaires étrangères? Je l'étais déjà une fois ou deux fois. Ministre de la Défense, ça ne me suffit pas. Pourquoi pas Premier ministre? Donc droite ou gauche, il ira chez celui qui va le nommer Premier ministre. Michel Barbeau, est-ce que c'est Avigdor Lieberman qui va être l'homme fort finalement de ces élections et qui va être le facteur décisif un petit peu? Il fait l'image de l'adulte responsable aujourd'hui. C'est lui qui est l'homme qui calme un peu l'homme tout le qui est calme, l'homme qui réfléchit, l'homme qui parle d'une façon très logique. Et c'est pour cela que, avec tout ce mélange qu'on vous avait dit, ce qui surgit de là, c'est la présence de Lieberman qui remplace plusieurs leaders modérés du passé. Et ça va peut-être d'ailleurs l'aider à... Sauf que Lieberman reste Lieberman. Et donc, il faut savoir aussi que Lieberman, quand même... Bon, déjà, on a compris une chose, c'est que Lieberman est pragmatique. Lieberman, quand même, est un homme qui a une certaine expérience. Mais que Lieberman aussi, comment dire, c'est l'homme... Lieberman est idéologie, c'est un petit peu comme l'Australie et le Sri Lanka. C'est un peu très loin l'un de l'autre. Et finalement, aujourd'hui, on sait très bien qu'il joue pour lui. Maintenant, il faut savoir encore un point très, très important concernant Lieberman. Le temps ne joue pas pour lui. Il faut savoir une chose, que dans les votes en Israël, le vote russe est un vote âgé. La jeune génération russe déjà commence à voter. Yair Lapid, ça peut être Likoud, ça peut être Rabaïs. Donc en fait, son réservoir, son électorat se rétrécit. Et donc si vous voulez un petit peu, c'est sa dernière chance aujourd'hui pour être ce qu'il veut être, Premier ministre. Et c'est pour ça qu'il faut suivre de très près. Une autre chose pour montrer à quel point c'est un mélange, une zizanie, tout ce que l'on voit actuellement. Cyril a évoqué deux noms, Gallant bien sûr, celui qui aurait été censé être le chef de l'état-major de l'armée, et bien sûr Michael Oren, notre excellent ambassadeur aux États-Unis. Et bien tous les deux, aujourd'hui on parle de pour Karlon, hier encore on parlait de pour le Likoud. C'est-à-dire que pour montrer un peu l'idéologie, franchement, l'électeur israélien, pour l'instant, c'est le grand perdant de ces élections. Ouais. Allez, divorce entamé également au sein du parti Chasse entre l'actuel et l'ex-président. Et oui, Léonore, après 30 ans de bons et loyaux services au sein du parti ultra-orthodoxe séfarade, le Chasse, Eli Shaï, qui a présidé le parti, lorsque Arié Dery, son concurrent, son rival, était accusé de corruption, qu'il a été emprisonné, il avait été couronné par le grand rabbin Ovadia Yosef,
américain, Eli Yishai, devrait annoncer dans les heures qui viennent, aujourd'hui même, son départ du Chas pour former une nouvelle formation qu'il intitulera Maran, du nom justement du grand rabbin Ovadia Yosef, dont le torchon brûle avec Arederi, rien ne va plus avec Arederi. Arederi qui a annoncé hier qu'il restait au Chas, évidemment, qu'il avait fait des offres très généreuses à Eli Yishai, mais qu'il avait refusé. Arederi qui était aux côtés de la fille du grand rabbin Ovadia Yosef, Adina Bar Shalom, qui a annoncé qu'elle ne serait pas députée, mais qu'elle intégrerait le conseil des sages du parti orthodoxe. C'est exactement une conseillère, et une personnalité très importante, et peut-être un début de réforme au sein du parti orthodoxe, ouais, qui accorde une place prépondérante à une femme. Donc un développement très intéressant. Alors où va aller Yishai, c'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, il pourrait, Eleonore, former un nouveau parti. Avec qui? Eh bien, avec un dissident possible, probable, d'un autre parti de droite, la droite radicale, le parti du foyer juif de Naftali Bennett, Uri Ariel, le ministre de l'Habitat et du Logement, qui pourrait faire scission avec Naftali Bennett et rejoindre Eli Yishai dans la formation d'un grand parti qui mettrait l'accent évidemment sur une idéologie de droite, mais aussi une idéologie où l'influence des rabbins et de l'orthodoxie serait prépondérante. Comment une démocratie devient un peu ridicule, je dirais, avec tout cela. Avec ceux qui sautent d'un parti à l'autre. C'est ça, c'est l'esprit démocratique. On sent un peu la course pré-élection. Chacun veut trouver son intérêt. C'est sûr. Madame prof de la politique israélienne, Madame Tzipi Livni, change de 4 fois de parti en 10 ans. Le kalantérisme, ce qu'on avait à l'époque. À l'époque, c'était une honte. Souvenez-vous, professeur Barzor se souvient très bien dans l'histoire d'Israël, quand on passait d'un parti à un autre, on le faisait presque la nuit. On avait presque honte de le faire. Oui. Aujourd'hui, tout le monde le fait. On le fait de façon ouverte, de façon brusque, de façon devant caméra. Et en plus, on est fier de le faire. Et soi-disant, lorsqu'on le fait, eh ben, c'est pour servir la morale de la politique. Et pour vous dire un petit peu, pour moi qui suis ces élections depuis très longtemps, et franchement, il y avait un film magnifique, je ne me souviens plus très bien du titre, mais c'était en hébreu, ça s'appelle Gagouim, ou Missing Lenin. Souvenez-vous de ce film magnifique. Eh ben, moi, ma génération, c'est un peu Missing Begin, parce qu'on en a connu un autre sort de politique. Et je dirais peut-être on une chose. On regrette un petit peu comment d'avant. Ça se faisait avant. Et peut-être une chose, peut-être pour moi à l'instant, c'est clair que les sujets, ces élections sont réellement très très important. Et je dirais juste une phrase sur ces élections: élections sur des valeurs sans valeur. Élections sur des valeurs sans valeur. C'est pas seulement les hommes qui changent et qui sont. C'est pas seulement les personnes qui se déplacent d'un parti à l'autre, c'est le centre de gravité de la vie politique en Israël qui s'est déplacé. La ligne de partage aujourd'hui entre la droite et la gauche, elle est très ténue. Quand on sait qu'aujourd'hui, le chef de file du Likoud, le chef qui est censé incarner quand même le sionisme, révisionnisme, l'idéologie du grand Israël, s'est prononcé pour la création d'un État palestinien, on se demande qu'est-ce qui est à droite et qu'est-ce qui est à gauche. Donc, est-ce qu'on ne revient pas justement à cette période de deux grands partis? On sent quand même qu'il y a un bloc de centre-gauche, un bloc du centriste et un bloc de droite qui sont en train de se dessiner. Donc on revient petit à petit peut-être vers cette politique à deux partis, voire à trois partis. J'espère bien, je ne le vois pas encore. Je vois que Lapid continue avec sa course tout seul pour l'instant. Kahlon, c'est un nouveau parti. Les religieux, vous avez 2 ou 3 nouveaux partis. Je ne sais pas. Il y a une seule chose qui change un peu. Je pense que la présence de Livni au Parti travailliste peut-être va arrêter le glissement du Parti travailliste vers l'extrême gauche qui continue depuis 1977. Alors je pense que Livni peut-être va faire du Parti travailliste un peu plus au centre, ce qui lui permettra de venir en alliance avec d'autres partis du centre. Est-ce qu'elle recrée finalement un petit peu la gauche Tzipi Livni en venant recentrer D'abord, n'oubliez pas d'où elle vient. Elle vient de la droite. Qui était son père en plus. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand même il y a une constante. D'un côté, vous savez, on parle maintenant d'une zizanie. Moi-même, je le dis, ce mélange, ce qui se passe, qu'il y a pas finalement de ligne verte maintenant entre les partis, si vous voulez. Il n'y a même pas de ligne rouge. Il n'y a pas de ligne rouge, mais ligne verte exprès, j'ai choisi pour droite, gauche, j'ai bien choisi la couleur. Mais pour vous dire que d'un autre côté, quand on parle maintenant de Kahlon, quand on parle de Lapid, quand on parle de cette volonté, de cette recherche, de cet homme de providence, ben ça existe depuis très très longtemps en Israël. Ouais. 77 avec Dash, Raffoul, et Lapid le père, Lapid fils, le Saint-Esprit, tout ce que vous voulez. On recherche toujours un petit peu en Israël cet homme qui va peut-être amener le changement. Sauf que en politique, finalement, et ça on a vu avec Lapid fils maintenant et Netanyahu,
on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça reste quand même le politique, une profession. Le problème en Israël, ce n'est pas faire le hold-up et de rentrer avec 10, 20 députés, c'est de pouvoir se maintenir. Et là, on voit que c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça que j'ose espérer que le lecteur israélien comprenne un petit peu que jeter sa voix à ces mêmes partis, et bien finalement, ça ne sert pas à grand-chose et qu'Israël a besoin de réellement, si vous voulez, trois grands blocs, droite, gauche, droite, gauche ou messie et religieux. Politique. Et pardon, j'ai oublié les partis arabes, bien sûr, je me suis toujours la médaille Wacket. Merci beaucoup, on doit arrêter là, mais merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Restez avec nous en cours journal, on revient dans quelques minutes, à tout de suite. Il est 9h12 à Tel Aviv et c'est l'heure des 5 clics, 5 infos avec vous, Betsabé Salem. Bonjour. Bonjour Léonard. Alors ça on va commencer, ça va et vous? Ça va très bien, merci. On commence avec une information moins réjouissante, cette prise d'otage ce matin à Sydney en Australie. Oui, tout à fait, dans un café donc, du centre de la ville de Sydney, donc plusieurs dizaines de personnes. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas donné de chiffres officiels, une dizaine d'employés aussi. Des otages se sont échappés, pour l'instant 5 déjà, à plusieurs reprises. On a des clichés dans la presse d'employés qui courent dans les bras des policiers. Alors c'est la confusion bien sûr dans la ville de Sydney, c'est ce que nous explique le média local, le Sydney Morning Herald. C'est la confusion totale. Alors question taxi, par exemple les taxis Uber, je ne sais pas si vous savez Léonore, mais leur prix de course augmente en fonction de la demande. Alors là le prix de la course pour sortir de ce centre-ville où se passe cette prise d'otage, eh bien, il est monté à 100 $ la course, alors qu'on est 9 heures plus tard. C'est donc la sortie des bureaux. En plus, la station de métro Martin Place est fermée, les métros n'y passent pas. Les autobus voient leurs itinéraires détournés. Donc, regardez, le journal publie par exemple cette carte. Vous voyez que c'est extrêmement difficile de se déplacer dans la ville, sans compter bien sûr l'atmosphère. Et alors, le Sydney Morning Herald toujours revient sur ce drapeau qui était donc affiché derrière la vitre du café par ce preneur d'otages qui ressemble à celui de l'État islamique mais qui n'est pas celui de Daesh, qui est beaucoup plus complexe. Un drapeau néanmoins que des groupes jihadistes se sont appropriés de... voilà, et on revient bien sûr le Sydney Morning Herald qui suit en live tout ce qui se passe. Alors on va justement rejoindre notre correspondante à Sydney, Alizé Labbé, bonjour. On fait le point avec vous sur ce discours qui a été prononcé il y a quelques minutes par Tony Abbott. Oui. Tony Abbott a dit quelque chose de très simple, en clair. On ne peut pas vous donner d'explication par rapport à qui est cette personne ou ce qu'elle veut. On ne peut pas vous donner les raisons pour lesquelles cette personne a pris ses otages. Tout ce qu'on vous demande, c'est de garder votre calme et de vivre de façon normale. Mm-hmm. Et que le gouvernement australien va essayer de gérer la situation. Et en ce moment, on essaye de protéger au maximum la ville. C'est pour ça que l'Opera House a été évacué. Darling Harbour, qui est pas touristique, a aussi été évacué. La plupart de la ville a été évacuée et les gens ne sortent pas. En effet, Martin Place est complètement fermé. On ne peut pas circuler. C'est très inhabituel. Donc pas de nouvelles consignes pour les habitants aux alentours. Vous nous confirmez que 5 personnes ont déjà été libérées. 5 personnes se sont échappées. 5 personnes se sont échappées, oui. D'accord, merci beaucoup Alizé Labbé, on vous retrouvera plus tard tout au long de cette matinée. On va continuer avec les 5 clics, 5 infos, avec le deuxième clic. Betsabé, on parle d'un autre groupe djihadiste puisque vous allez nous parler justement de Daesh. De Daesh, toujours, qui justifie l'esclavage sexuel pour l'État islamique, le sexe avec des filles qui ne croient pas se justifier, rapporte CNN. Le sexe avec des filles prépubères est ainsi justifié, tout comme la captivité des femmes, de leurs enfants ou même leur vente, voire leur don. Voilà le genre de message que les Irakiens de Mossoul, par exemple, ont reçu vendredi dernier après la prière par tract, et ce n'est pas la première fois. Et comme pour la décapitation des journalistes, eh bien Daesh justifie ses actes par Dieu. Alors l'utilisation des femmes, tendance décidément, avec Boko Haram aussi qui, au Nigeria cette fois-ci, utiliserait les femmes pour mener ses attentats suicides. C'est ce que raconte l'envoyé spécial de Libération. C'est ce qui s'est passé par exemple mercredi dernier quand deux jeunes adolescents
adolescentes se sont fait exploser dans les toilettes d'un marché très fréquenté et c'est devenu, elle nous explique, une habitude. Alors sont-elles droguées, sont-elles forcées ou tout simplement endoctrinées? S'agit-il des lycéennes qui ont été enlevées en avril dernier? Il en reste 217, pas moins, aux mains de Boko Haram. Alors réponse, eh bien, on ne connaît pas grand-chose de ces filles, d'autant que le gouvernement n'a même pas effectué de test ADN sur le corps des kamikazes. Allez, direction la Turquie avec cette vague d'arrestations. Oui, des dizaines de journalistes, les menottes au poignet sur lesquelles s'est attardée notamment la Stampa en Italie, en Turquie. On a déjà battu cette formule d'aube du 14 décembre, puisque c'est à l'aube que la police a fait irruption à Istanbul et dans d'autres villes de Turquie pour eh bien, arrêter ces journalistes des médias qui sont sous le contrôle de l'ennemi de Erdogan, Fethullah Gülen, prédicateur islamiste modéré. Parmi les personnes arrêtées, notamment le directeur de Zaman, et il s'agit bien de la lutte donc de Erdogan contre son ennemi. Le Monde rappelle d'ailleurs qu'il y a une semaine, Erdogan lui-même avait promis de pourchasser, je cite, jusque dans leur tanière les partisans de Gülen qu'il présente comme des terroristes et des traîtres. Ça fait des mois qu'Erdogan promet cette genre de chasse d'air. Mmh. Allez, on va se détendre un peu avec cette initiative un peu insolite. Voilà, un type Éléonore, finalement, peut-être pour vous, des parents qui amènent leur bébé en voyage pour la première fois en avion, qui ont décidé de chouchouter leur voisinage. Alors, rien de tel qu'avoir, en plus des pleurs, l'agacement des passagers avoisinants. Alors, le couple, pour se prémunir contre ce genre de pression de leur entourage, eh bien, a distribué ce petit sachet avec des chocolats et un petit mot. Qu'est-ce que vous pouvez y lire? Eh bien, mon prénom est Madeleine, j'aurai un an le 17 décembre prochain et c'est mon premier vol. Alors, j'essaierai de bien me comporter, mais j'aimerais présenter déjà mes excuses à l'avance si je perds mon contrôle, deviens effrayée ou si mes oreilles me font mal, etc., etc., etc. En gros, un mignon petit mot pour essayer de détendre l'entourage. Voilà, un couple parmi d'autres qui connaissent cette terreur des avions avec les bébés. Allez, du design et de la créativité à présent dans des lieux publics. Voilà, quelques images pour nous dépayser en ce lundi matin. Alors, des photos publiées par la Repubblica en Italie. Vous voyez ce métro. Alors, ce n'est pas le tsunami, c'est un métro au Japon. En fait, c'est une illusion d'optique avec donc un esprit de plage. Dans le métro, vous avez aussi des toilettes publiques, vous allez voir, avec des posters, des miroirs dans des lunettes, voilà, dans un autre genre. Ou encore... Ah ouais. Ouais, ça vous plaît? Ouais, c'est pas mal, c'est créatif. Ah, voilà. Celle-là est pas mal. Ça, c'est d'un autre genre encore aussi. Voilà. Faut pas être déconcentré sur la route par ce genre d'image, ça peut être dangereux aussi. Merci beaucoup, Betsa Bessalem. J'accueille à présent Michael Gabé, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et on va parler avec vous de cette baisse considérable des cours du pétrole. Depuis quelques mois, depuis ces derniers mois, les cours du pétrole ont chuté de 40%. Alors d'abord, comment on explique cette chute spectaculaire en quelques mois du prix du baril de pétrole? Alors, ça fait plusieurs années, et ça s'est accéléré dans les mois derniers, que les États-Unis explorent le gaz de schiste et commencent à devenir petit à petit une puissance productrice de pétrole. Donc, les spéculateurs qui font une grande partie du prix du pétrole comprennent que l'offre est à la hausse et donc les prix doivent aller à la baisse. Mmh. Donc, il y en a un repli de position. À côté de ça, on a l'OPEC qui, de manière assez... particulière et assez, c'est peut-être pour la première fois, ne décide de pas tenir le cours. L'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle continuerait sa production, voire même qu'elle l'augmenterait. Tous ces facteurs-là font que le prix du pétrole dévisse complètement. On est passé autour des $65 hier à la bourse de Chicago. Alors, comment les États-Unis vont devenir peut-être plus autonomes, en tout cas dans leur besoin de pétrole? Est-ce que ces projets, justement, autour du pétrole, du gaz de schiste, vont toujours être aussi rentables sur le long terme? Voilà, on touche le point, la problématique, ce qu'on voit sur les marchés financiers, le dévissage au niveau de Wall Street, au niveau de l'Europe, etc. C'est le principal point. Il faut comprendre que le pétrole a un cours minimum, c'est en fait le cours de production du baril. Alors, en Arabie Saoudite, on est autour des $30. Dans les pays producteurs, on va dire terrestres, on est autour des $40. Les estimations au niveau du pétrole américain tournent autour de $60. Alors, il y a quelques voix qui s'élèvent et qui pensent que l'Arabie Saoudite fait tout pour justement passer sous ce seuil, pour limiter en fait les investissements au niveau du développement des gaz de schiste aux États-Unis. Et c'est effectivement une des principales craintes à Wall Street aujourd'hui, c'est que les capacités de financement et de levée de fonds et les investissements futurs pour cette industrie qui prend une grande part ces dernières années dans le
dans la relève en fait économique des États-Unis va atteindre un petit peu les États-Unis sur les prochaines années. Alors on avait quand même l'habitude que les premières implications de ces crises géopolitiques, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, ce soit la hausse des cours du pétrole. Et puis cette fois, on voit que malgré toutes les crises en cours au Moyen-Orient et en Europe, finalement, le pétrole continue de baisser. Qu'est-ce qui a changé finalement ? Il y a aujourd'hui la crainte de l'Arabie Saoudite justement que le pétrole arrête de devenir une carte politique et une carte diplomatique. Si les États-Unis deviennent autonomes au niveau pétrolier, ils n'ont plus aucun intérêt quasiment dans la région du Moyen-Orient, si ce n'est leur quelques soucis. C'est très important, c'est-à-dire qu'au-delà des intérêts, les Américains ont des intérêts dans les pays du Golfe par le biais de sociétés qui sont leurs sociétés, mais la carte du pétrole était une carte extrêmement importante dans le monde diplomatique. La grande force de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est le seul fait qu'il soit producteur de l'or noir. Au-delà de ça, il n'y a pas de grand intérêt. C'est un pays qui ne génère rien si ce n'est du pétrole. Donc toute la force du monde arabe, quelque part, c'est justement d'être le premier producteur de pétrole. Aujourd'hui, si les États-Unis sont indépendants, ils perdent leur atout maître. Et aujourd'hui, Donc ça changerait toutes les relations entre les États-Unis et le monde arabe. Mais est-ce que cette forme de production est rentable à long terme pour les États-Unis ? Est-ce qu'ils peuvent réellement s'en sortir en étant autonome et sans petit à petit en se libérant un petit peu du joug des Alors la question de la rentabilité est une question qui à mes yeux est marginale dans cette histoire. Je pense que les États-Unis sont plus intéressés à être autonomes au niveau énergétique que ce soit rentable financièrement. Est-ce que c'est viable, disons, si ce n'est viable, c'est viable. Ça veut dire que après ils ont réglé entre guillemets la colère écologique et ils ont commencé les investissements. On commence l'extraction de pétrole par gaz de schiste. Les réserves telles qu'elles sont connues amènent une indépendance énergétique pour les États-Unis. Je pense que les États-Unis sont plus intéressés par cette indépendance que par un prix du pétrole qui soit bas, puisque même si le pétrole est à 60$ et que ça leur coûte $70 de le produire, c'est plus intéressant pour les Américains que l'argent reste dans le pays plutôt qu'elle aille dans les pays arabes. Et ils savent que souvent cet argent-là sert à financer des groupes qui sont très nettement opposés à leur politique internationale. Alors on parle beaucoup des pays arabes, de l'Arabie Saoudite, mais la première victime de cette baisse du baril de pétrole, c'est la Russie. Finalement, qu'est-ce que ça lui coûte à la Russie, cette baisse ? La Russie, entre le pétrole et les sanctions européennes, on parle entre 100 et 150 milliards de dollars. Ouais, quand même. C'est énormément d'argent. La Russie est extrêmement dépendante de cette manne financière. Et c'est aujourd'hui une des principales inquiétudes, on va dire, au niveau géopolitique. Quelle sera la réponse de Poutine en cas de, justement, de... Est-ce que ça peut justement faire pression sur Vladimir Poutine dans, par exemple, le contexte de la crise ukrainienne, cette baisse du pétrole ? J'ai peur, connaissant le personnage, que ça donne l'effet inverse. Ça veut dire que c'est pas forcément le genre de personnage qu'on veut pousser dans un coin. Voilà, on connaît le bonhomme, on sait le côté, la fierté de la Russie, c'est un ancien du KGB, il a connu le grand empire russe. Personnellement, c'est une des principales craintes qu'il y a à avoir, c'est une réaction disproportionnée de la Russie à cette crise. Et on sait que la personne qui est à la tête de la Russie aujourd'hui n'est pas forcément la personne la plus stable politiquement. À mon avis, la Crimée, l'Ukraine, c'était des anticipations justement à cette situation. Enfin, c'est quand même incroyable, entre l'inflation du rouble, la baisse des cours de pétrole, finalement la popularité de Vladimir Poutine s'en trouve presque renforcée. Comment on peut l'expliquer ? Il faut bien connaître la mentalité. Que ça va aller beaucoup mieux surtout. C'est pas vraiment ça. Il faut bien connaître aussi la mentalité du peuple russe. Ça vient à mon avis plus de là, la culture russe. Quand on attaque les Russes, le Russe est un peuple fier. C'est un peuple qui se voit comme l'équivalent des Américains, etc. On connaît la Rodina, la mère patrie, etc. Ce sont des notions qui sont extrêmement importantes. C'est un peuple qui a vécu dans l'adversité depuis des... Enfin, ça fait très longtemps. C'est pas le pays le plus sympathique au niveau climat du monde. C'est des conditions qui sont dures, etc. Ces gens-là ont confiance en Poutine, qui pense, ils voient en lui la personne qui est capable justement en période de crise et de changer la donne et de leur ramener leur fierté un peu perdue. Un dernier acteur aussi pas moins important, c'est l'Iran finalement. Alors l'Iran, effectivement, l'Iran est peut-être... C'est un des principaux exportateurs. Bon, il est sous sanction depuis très longtemps. Il vendait son pétrole sous forme de troc essentiellement avec d'autres pays, très largement en dessous des cours.
C'est vrai que s'il doit couper en deux un cours à 60$ et le ramener à 30$, ça va être très difficile pour l'Iran de continuer à subsister. C'est une vraie question. Ça aide quelque part indirectement Obama, puis l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier, les sunnites, les chiites, ça ne les dérange pas que l'Iran soit lésé dans ce combat qui mène au niveau du cours du pétrole. Un dernier mot peut-être sur l'impact que ça a pour les consommateurs en fait. Alors les principaux consommateurs qui profitent de la baisse du pétrole, c'est le consommateur américain. Parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le pétrole, enfin sur les produits, sur les hydrocarbures aux États-Unis. Donc quand le pétrole, le baril de pétrole baisse de 40%, c'est tout ce qui est la voiture, le chauffage. On arrive à l'hiver aux États-Unis, le chauffage, tout ça qui baisse. L'américain étant quelqu'un qui adore consommer, dès qu'il se libère un peu de son budget au niveau de ça, au niveau des hydrocarbures, il va commencer à consommer. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs pour les Américains et pour les pays qui sont importateurs d'hydrocarbures pour générer, encore une fois, au niveau des sociétés, c'est des baisses. On parle des sociétés d'aviation qui vont profiter à fond de ce genre de cette baisse, puisque un des principaux points de dépenses des sociétés d'aviation, c'est les hydrocarbures pour faire voler les avions. On s'attend soit à une baisse relative des prix des billets d'avion, soit en tout cas à une belle augmentation des bénéfices des sociétés aériennes. Merci beaucoup, Michael Guébé, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Betsabé Salem. Restez avec nous. Dans un instant, on parlera d'un tout autre sujet, Arab Idol. Si ça ne vous dit rien, eh bien, vous en saurez plus dans quelques minutes, juste après le journal. À tout de suite. Dernière partie du morning, merci d'être toujours avec nous. On accueille ce matin Myriam Amann, bonjour. Bonjour. Et Sandy Fortis, bonjour à vous deux. Et on va parler d'une émission de télé-réalité pas comme les autres, puisqu'il s'agit de la nouvelle star, mais dans les pays arabes. Arab Idol, ça se passe au Liban, hein, Myriam. Exactement, au Liban, à Beyrouth, et devant 100 millions de téléspectateurs. La finale a lieu samedi soir. Mais avant d'en parler, on va peut-être écouter la chanson qui a gagné. On écoute tout de suite. Ça met longtemps à partir. Hein. Non, en fait, c'est un Syrien qui a gagné. C'est Azem Sherif qui a gagné cette édition 2014. Et il aimait beaucoup ces chansons qui parlent de la Syrie, de l'amour, de la paix. Enfin, voilà, des chansons, un petit peu des balades orientales. Plus amoureuse que politique, quoi, j'imagine. C'était oui. En fait, il est originaire d'Alep. Vous savez, Alep qui est également le théâtre de nombreux combats entre le régime de Damas et les rebelles. Évidemment, cette victoire a amené beaucoup de joie en Syrie. Je vous propose tout de suite de regarder. Bien sûr, je dédie cette victoire à la Syrie. La chose la plus importante est la joie et le bonheur de revenir dans une Syrie sûre et en toute sécurité.
Alors on imagine qu'en Syrie, nombreux étaient les téléspectateurs, enfin en tout cas ceux qui ont accès à la télévision, à suivre cette finale. Hein. Oui, c'est important de dire qu'il n'a pas pris position, hein, donc il peut être soutenu à la fois par ceux qui soutiennent le régime et par ceux qui soutiennent les rebelles, puisqu'il a décidé, lui, qu'il ne faisait que chanter, qu'il était artiste et que donc il n'était pas question qu'il prenne position pour l'un pour l'autre. D'ailleurs, il faut noter que d'habitude, les gagnants, cette émission existe depuis 2011, hein, on a 100 millions de téléspectateurs. Depuis 2011, chaque gagnant prend le drapeau de son pays, puisqu'il représente chacun un pays arabe. Lui a décidé de ne pas le faire, parce que sinon il aurait dû choisir entre le drapeau syrien d'Erbel ou le drapeau syrien du régime de Bachar el-Assad. Et oui, et vous l'avez dit, en Syrie, en tout cas dans une certaine partie de la Syrie, les gens étaient plutôt contents et suivaient semaine après semaine, et c'est notamment le cas à Damas. On va regarder quelques réactions. Nous savons tous à quel point Alep a souffert et a pleuré après avoir été une ville de paix et d'art. Cette nouvelle apporte un souffle de vie aux gens d'Alep. Ils doivent vivre à nouveau. Ça nous retourne l'âme après ces souffrances. C'est une joie pour Alep et tous les Syriens. Cette victoire nous apporte une pause pendant la guerre. Azem nous a rendus heureux. Il nous a donné l'espoir qu'il allait gagner et a remporté une grande victoire. Vous voyez, c'est une bouffée d'air frais hein, pour ces gens qui vivent évidemment un quotidien pas facile. Ça, c'est pour la partie de Damas contrôlée par le régime syrien. Par contre, dans d'autres parties, dans d'autres régions, comme par exemple dans certains quartiers d'Alep, où ce sont les rebelles qui y vivent, ils n'ont même pas pu suivre, ils ne savent même pas que cette émission existe, puisqu'ils sont sujets à de nombreuses coupures de courant. Samedi soir, par exemple, à l'heure justement de cette finale, il n'y avait pas de courant, donc impossible de suivre Arab Idol. Voilà, on l'a dit, hein, y a des candidats de tout le monde arabe qui ont suivi, qui ont participé à cette émission. L'année dernière, c'était un Palestinien qui avait remporté le prix de Arab Idol. Hein. Oui, c'était Mohamed Assaf. Je ne sais pas si vous en souvenez. En tout cas, lui, il a remporté. On dit que ce n'est pas politique, mais tout de même. Il a remporté, il était très heureux. Il est aujourd'hui très, très connu hein, dans le monde arabe. Et ben, cette année, il y avait également des Palestiniens. En tout cas, ils ont une particularité, ils ne sont pas tout à fait palestiniens, si je peux m'exprimer ainsi, ils sont arabes israéliens. Mm-hmm. Il s'agit de la chanteuse Manal Moussa qui a 25 ans et de Atam Kalaili, 23 ans. Ils sont tous les deux originaires d'Israël, ils sont nés arabes israéliens, ils n'ont que la nationalité israélienne, c'est important de le souligner, ils n'ont pas la nationalité palestinienne. On va me dire, mais comment ils sont arrivés au Liban, puisque c'est quand même un état dans lequel les Israéliens ne peuvent pas se rendre. D'abord parce que s'ils reviennent ici, ils risquent jusqu'à 4 ans de prison, ensuite parce qu'on ne les laisse pas rentrer normalement au Liban. Et ben, c'était un tour de passe-passe, un tour de force. Ils sont partis à Ramallah pour les présélections, vous savez, ces fameuses auditions qu'ils ont réussi à remporter avec succès. Et là, avec un document de l'autorité palestinienne, ils ont réussi à passer de Jordanie jusqu'au Liban. Voilà. Après, il y a plusieurs médias qui ont interpellé, évidemment, les autorités libanaises qui ont dit qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils ne savaient pas, etc. Mais bon, ce sont vraiment des Arabes israéliens, mais présentés au cours de l'émission comme des Palestiniens. D'ailleurs, ils ne chantaient que des chansons patriotiques. En langue arabe, on imagine. Voilà, en langue arabe, bien sûr, pour la Palestine. Il n'a pas été question une seule fois, en tout cas pas dans les lives, pas pendant l'émission en grand public. De la nationalité israélienne. Exactement. Bon, ça, c'était pour le Arab Idol 2014, donc, qui s'est déroulé au Liban. On va parler à présent cuisine et prison. Oui, ces deux mots ne collent pas forcément bien ensemble, mais Sandy Fortis, ici présente, et Ran Schneck sont entrés dans la prison de Tzalmon en Israël, une prison pour hommes près du lac de Tibériade. Là-bas, Masterchef se joue derrière les barreaux comme promesse de réhabilitation. On regarde tout de suite ce reportage, on en parle avec Sandy Fortis juste après. Masterchef, Top Chef, le meilleur pâtissier. Depuis quelques années, les émissions culinaires ont envahi le petit écran et ça engendre parfois des vocations. On voit toujours à la télévision ces émissions sur la cuisine. Ça a l'air bien et intéressant. Et quand ils me l'ont proposé, je me suis dit que je pourrais faire comme à la télé, apprendre à cuisiner. Et c'est aussi une opportunité d'en faire mon métier, pour mon avenir. C'est le plus important pour moi. Nissim n'est pas un élève d'une école hôtelière, mais un détenu de la prison Tzalmon dans le nord d'Israël. Depuis plusieurs mois, il suit une formation pour devenir cuisinier. Une formation homologuée par le ministère de l'économie et financée par les autorités pénitentiaires.
En faisant des recherches, on s'est rendu compte que le domaine de la cuisine manquait de main-d'œuvre, notamment dans les restaurants, les hôtels ou les salles de mariage. Ici, c'est un bon endroit pour trouver cette main-d'œuvre. S'ils apprennent le métier ici, ils pourront intégrer cette profession à l'extérieur. C'est la quatrième année consécutive que le centre de détention de Salmon dispense cette formation. Les autorités pénitentiaires ont créé une école de cuisine tout équipée pour l'occasion. Un investissement de plus d'1,5 million de shekels, soit près de 300 000 euros. Comme Nissim, ils sont une quinzaine de prisonniers à la suivre cette année. C'est bien, c'est une opportunité. J'espère que je pourrai m'en servir dehors pour travailler dans un hôtel ou dans un restaurant. J'aime vraiment faire ça. Si un ou deux arrivent à intégrer une cuisine une fois sortis, je considérerai que j'aurai atteint mon objectif. Sauter, frire, bouillir. Aujourd'hui, un jeu d'enfant pour ces détenus. Ce n'était pourtant pas le cas il y a quelques mois. Au début, c'était très difficile pour moi. J'ai hésité à tout abandonner parce que j'avais beaucoup de mal. Puis finalement, petit à petit, on évolue. Et puis le chef nous aide beaucoup. C'est dur, mais on s'y fait. Pour réussir, il faut écouter. Au début, on ne savait même pas faire une omelette. Aujourd'hui, on fait des sauces, des viandes et beaucoup d'autres choses qu'on n'aurait jamais imaginé réussir à faire. Des détenus sur lesquels les responsables de la prison ont parié, chaque participant a été trié sur le volet. Le centre de détention de Salmon est le seul à dispenser cette formation. Aujourd'hui, elle est très prisée. Certains prisonniers font même des demandes de transfert pour y accéder. Un privilège dont les détenus sont conscients. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ils n'ont choisi que quelques prisonniers pour ce cours. C'est comme gagner 1 million de dollars de recevoir une telle formation dans un endroit pareil. Ils nous offrent la possibilité de réussir. Je pense que c'est un beau cadeau. Un cadeau qui peut leur être retiré à tout moment. Au moindre écart de discipline, le détenu peut être renvoyé de la formation. En attendant, le masterchef derrière les barreaux est un succès. Sur les 45 détenus qui ont suivi ce cours, plus d'une vingtaine travaillent actuellement en cuisine et à l'air libre. Alors Sandy, expliquez-nous un peu d'abord comment les prisonniers sont-ils sélectionnés pour faire partie de ces cours. Alors déjà, pour préciser, c'est très important, le centre de détention de Salmon est une prison criminelle. Il n'y a en aucun cas des détenus sécuritaires jugés pour terrorisme. Alors ensuite, à l'arrivée de chaque détenu, un comité étudie son dossier. Et, il vérifie ses capacités, son évolution passée, s'il n'a pas de profession et qui correspond à tous les critères, et on leur propose de choisir une formation. Alors il en existe plusieurs, peinture, coiffure, menuiserie, même pour les crimes les plus graves. Ah ouais, d'accord. Qu'ils soient voleurs, assassins, il ne qualifie en aucun cas ce qu'il a fait avant. C'est vraiment son comportement au sein de la prison, ses capacités aussi, ses capacités, parce que tous les prisonniers n'ont pas non plus accès avant à un niveau d'éducation assez important. Et donc, comme je disais, il y a plusieurs formations, coiffure, plomberie, menuiserie, et également, depuis 4 ans maintenant, cuisine. Donc. Et pour ce dernier, par contre, il faut absolument faire très attention, s'assurer du bon comportement du prisonnier, parce qu'évidemment, en cuisine, on travaille avec des couteaux, ça peut rapidement devenir dangereux. Et comme je disais, justement, pas de discrimination en fonction du délit ou du crime qu'a commis le prisonnier avant d'être incarcéré. Alors, d'où est venue cette idée de la réinsertion par la cuisine? Est-ce que c'est une initiative gouvernementale? Est-ce que c'est les services pénitentiaires? Exactement, c'est les autorités pénitentiaires qui sont à l'initiative de cette idée. Donc, en fait, c'est déjà mon deuxième reportage au sein d'une prison israélienne. Ah, on a pu remarquer... Votre premier reportage. Exactement. Vous aimez bien les prisons, hein? Écoutez, c'est un endroit où je me sens en sécurité. Non. Donc, en fait, on trouve que, vraiment, on se rend compte que les autorités pénitentiaires israéliennes portent énormément d'importance à la réinsertion, à la réhabilitation des prisonniers. Leur objectif est vraiment qu'une fois sortis, les prisonniers ne reviennent pas. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont fait des recherches pour savoir dans quel domaine les détenus auraient le plus de débouchés sur le plan sur le marché du travail. Et ils se sont rendus compte que les hôtels et les restaurants manquaient de main-d'œuvre au niveau des cuisines. Et ils se sont donc imaginés à créer cette formation. Dès que leur idée a été approuvée, la prison de Salmon a entrepris des travaux colossaux. Ils ont créé cette cuisine que nous venons de voir, a été créée entièrement
pour cette formation avec des vrais plans de travail, tout l'équipement nécessaire d'une salle de cuisine, avec même une salle de classe spécialisée. Tout ça pour la modique somme, je vous disais l'empotage, d'1,5 million de shekels, soit environ 300 000 euros. Alors comment le processus d'enseignement, si l'on peut dire, se déroule au sein de la prison? C'est une formation longue, elle dure 10 mois. Donc les services pénitentiaires s'assurent aussi, quand ils étudient le dossier du prisonnier, qu'il restera dans la prison jusqu'à la fin de cette formation, parce que ça coûte quand même cher de procurer cette formation aux prisonniers. Donc elle dure 10 mois. Tous les détenus apprennent exactement tout ce que les étudiants d'une école hôtelière apprennent en première année, hein, donc de la base, les recettes de sauce, différentes cuissons, jusqu'à la pratique. Le cours a commencé par plus de 600 heures de théorie qui a été justement faite dans cette salle de classe construite pour l'occasion. C'est une salle de classe avec des pupitres et un tableau, mais également un plan de travail, des plaques et un grand miroir au-dessus du plan de travail pour que les détenus puissent suivre ce que fait le chef et comment il le fait. Alors évidemment, il y a eu des petits problèmes au niveau de l'adaptation parce que, comme je le disais, les détenus n'ont pas tous le même niveau d'éducation. Certains ont plus de mal à comprendre. D'autres, c'était au niveau de l'écriture pour noter les recettes. Donc, ils ont dû s'adapter, mais en gros, ça s'est bien passé. Alors, vous étiez à Tsalman. Est-ce qu'il y a d'autres prisons qui ont mis au point également des programmes de réinsertion par la cuisine ou d'ailleurs par d'autres moyens? Exactement. Alors, comme je disais tout à l'heure, les autorités pénitentiaires sont très, très portées sur la réhabilitation des prisonniers. De nombreuses prisons proposent des formations. On l'avait vu à Nevetirtsa, la prison pour femmes de Ramleh, avec un défilé de mode. Mais il y a également plusieurs formations dans cette prison, formation esthétique, coiffure, composition florale et couture et stylisme. Cette formation, par contre, n'est proposée qu'à Tsalman. La formation cuisine est une exclusivité du centre de détention de Tsalman. Mais attention, les autres détenus en ont entendu parler. Il y en a plusieurs qui sont intéressés et certains ont même demandé à être transférés dans cette prison pour pouvoir participer à cette formation. Et certaines demandes ont d'ailleurs été acceptées. Certains ont été transférés pour être à Tsalman et suivre la formation cuisine. C'est un vrai défi, hein, le défi de la réinsertion pour les prisonniers dans les sociétés modernes. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative peut réellement aider les prisonniers à se réinsérer dans le monde professionnel, en tout cas après leur séjour en prison? Vous savez, souvent les prisonniers, quand ils sortent de prison, ils n'ont plus rien. Enfin, c'est-à-dire ils ont abandonné sans doute un métier, de leur faute bien sûr, hein, mais peu importe. Et ils sortent de prison où ils ont vécu 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 10 ans, 15 ans, sans rien, sans connaître la société, sans connaître les besoins de cette société, ne sachant pas comment s'y insérer et comment... Et on le dit, hein, souvent, les récidivistes sont ceux qui n'ont pas réussi à se réinsérer dans cette société. Et on le sait, la cuisine, c'est quand même quelque chose d'une certaine mode. Hein, on le voit avec toutes ces émissions culinaires, que ce soit des téléréalités ou pas. Finalement, les réintégrer aussi dans l'air du temps. Exactement. Et voilà, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Sandy Fortis. Merci, Myriam Amman, d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information, une prise d'otage qui a débuté il y a près de 10 heures maintenant à Sydney, en plein centre du quartier des affaires de cette ville australienne. Prise d'otages toujours en cours. 5 personnes ont déjà pu s'échapper, mais des dizaines d'autres sont toujours retenues en otage par un seul homme armé. Plus d'informations dans le prochain journal dans 2 minutes. Restez avec nous, on se retrouve demain matin.